Nous sommes réunis ici aujourd'hui dans ce merveilleux bâtiment pour célébrer la flotte de la 400 et la signature de l'arrangement technique du bataillon de reconnaissance binationale. Après le discours de la ministre belge, la ministre luxembourgeoise s'adressera à vous, suivi de notre CO de la 20e escadrille, Dan Olsson, qui est pilote luxembourgeois. Puis aura lieu la signature de l'artier, suivi de la salutation du CT-08. Enfin, des entretiens auront lieu avec les ministres. La ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg, généraux, colonels, commandants, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre participation à cette cérémonie célébrant l'arrivée du dernier A400M. Une cérémonie qui non seulement marque l'arrivée du dernier A400M, mais aussi un tournant décisif dans notre coopération militaire avec le Grand-Duché de Luxembourg. Un partenariat qui, au fil du temps, s'est solidifié pour devenir un modèle d'intégration et de collaboration au sein de l'Europe de la Défense. Initié en 2001, le programme A400M réunit plusieurs pays européens, dont la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Un grand nombre d'entreprises européennes contribuent à ce programme, parmi lesquelles figurent des entreprises aéronautiques belges. La livraison du dernier A400M représente une étape clé dans la modernisation de notre capacité aérienne, un projet porté conjointement par nos pays. À côté du domaine aéronautique, la signature de ce jour approfondira l'excellente coopération de défense que nos deux pays entretiennent déjà aujourd'hui au niveau de nos forces terrestres. Le bataillon de reconnaissance belgo-luxembourgeois, avec ses antennes à Arlon, Diekirch et Marchand-Famenne, incarnera notre engagement supplémentaire envers une Europe de la défense forte et unie. Deze technische overeenkomst tekent de routekaart uit voor de concrete realisatie van het bataillon. Dit heeft betrekking op alle capaciteitsdomeinen, namelijk de aankoop van panzervoertuigen, investeringen in infrastructuur en de training van de militairen. L'initiative de coopération industrielle et opérationnelle nous permettent de gagner en efficacité collective, de réduire la fragmentation de nos industries de défense et ainsi de produire ensemble des capacités modernes et interopérables, et nous en avons besoin. Tel est l'esprit de l'Europe de la Défense. Met onze A400M vloot, ons binationale bataillon en onze technische samenwerking vormen we een concrete illustratie van hechte opérationnelle samenwerking tussen Europese landen. Mesdames et messieurs, l'inauguration du dernier A400M et la signature d'Hermesyne sont donc une illustration parfaite de l'Europe de la Défense en action. On peut toutes et tous en être fiers. Bon vol à lui, à ses équipes et à nos pilotes. Merci. Madame la ministre, chère Ludovine, monsieur le général et chère hiérarchie de la défense belge, excellences, mesdames et messieurs, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape de l'histoire en fait de la coopération belgo-luxembourgeoise avec ce 8e A400M. The fleet is indeed complete. Et je suis vraiment ravie avec vous tous de célébrer cet événement aujourd'hui. L'A400M, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, un projet phare de notre coopération bilatérale. Dear distinguished guests, ladies and gentlemen, today I'm honored to address you on the remarkable collaboration between Belgium and Luxembourg in the operation of the A400M military transport aircraft capabilities. To quote Henry Ford, coming together is the beginning, keeping together is progress, working together is success. Yeah.
Thank you.